que la maison me paraît vide. Sans son désordre et sans sa voix, ça me semble encore impossible. Pourtant il y a 2 ans déjà, ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier, tous ces objets qu'il faisait vivre, qui eux aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas de la guerre, pourtant mon héros, c'était lui. J'étais si fière qu'il soit mon père, fière de m'appeler comme lui. Ses colères étaient des tempêtes lorsque j'avais désobéi. Et puis il pleurait en cachette parce que j'avais un premier prix. C'était plus que de la tendresse qu'il avait pour tous nos rosiers. Il peignait avec maladresse, c'était toujours moi qui posais. Je sais bien que je lui ressemble, je suis têtue comme il était. J'ai ses yeux et ses côtés tendres, mais j'aime tout ce qu'il aimait. C'était mon ami et mon frère, et tous mes souvenirs d'enfant. C'était mon ami et mon père. Il me manque bien souvent.